moment où tu étais sur un lit victorieux. Mais maintenant, pendant ce moment, tu es sur tes lits, dans le désert, faible. Peut-être tu as des problèmes, tu as des maladies. Ton foyer ne va pas. Tu ressens plus cette paix. Mais laisse-moi te dire que quelque chose s'est passé. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas m'attarder de finir. Et il va dire, un ange, Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Dieu avait envoyé un ange. Dieu, dans ta faiblesse, il viendra toujours te secourir. Il viendra toujours te parler. Il viendra toujours te fortifier. Nous ne sommes pas seuls, les frères. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Ne te dis pas, tu n'as pas le droit. Avec tout le respect que je te dois, Dieu n'est pas avec moi. Si tu es fidèle, Dieu est avec toi. Dans tes problèmes, dans ta maladie, tu ne vois pas de réussite. Mais Dieu est avec toi. Je le crois, il a été avec moi. Il a été avec tous les témoignages que vous avez entendus. Dieu est avec eux. Dieu aussi, il est avec toi. Peuple de Dieu, réalise que nous sommes des ministres de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ne ridiculisons pas notre ministère. Eh oui. Dieu n'y est pas. Eh oui. Dieu y est. Amen.